Jean-Pierre Denis, merci beaucoup d'être avec nous à la Procure pour la parution de ce livre Au Seuil, pourquoi le christianisme fait scandale. Alors Jean-Pierre Denis, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les grandes idées, quelle est la grande idée, peut-être la grande impulsion qui a présidé à l'écriture de ce livre qui aujourd'hui commence à faire du bruit et est un livre de réveil pour un certain nombre de chrétiens? Ouais, c'est un constat finalement tout simple, c'est que les contre-cultures des années 60 et 70 sont devenues la culture d'aujourd'hui avec ce qu'elle a de publicitaire, d'envahissant aussi, et finalement laissant l'individu tout nu, et qui critique ça, avec des arguments, je pense, solides, et qui continue à pouvoir apporter du sens, ben c'est le christianisme. Et donc le christianisme qui était jugé ringard, sociologiquement mort, eh bien retrouve une pertinence, et j'espère, une impertinence nouvelle. Et c'est ça que j'avais envie de trouver à travers quelques valeurs qui sont, que j'ai ramassées dans les poubelles de notre culture, la fragilité, la chasteté, le don, la gratuité, des très belles valeurs, ce que j'appelle les valeurs faibles du christianisme, mais qui sont des valeurs tout à fait innovantes. Merci beaucoup.